Salut tout le monde. Je voulais juste savoir. Je sais pas s'il y a du monde qui veut apprendre à faire des applications. C'est quand même très facile, vous allez voir. Ça me tente de partir une série qui parle de ça, qui explique comment MIT App Inventor fonctionne, puis comment Android Studio fonctionne. C'est deux programmes totalement différents l'un de l'autre. Android Studio, c'est énorme. Ça prend 8 gigs de RAM juste rouler le programme. Juste faire du codage. 8 gigs de RAM. C'est ça que j'ai total dans mon ordi. J'ai pas un gros ordi. J'ai un ordi qui date de 2012. C'est un i7. Il est bloqué. Je sais pas combien. 8 cores. C'est 8 gigs. Carte graphique qui marche. Tout est vieux jeu jusqu'à 2015 à peu près. Après ça, il marche plus. DirectX 12 marche pas. 11 marche. Et en bas, ça marche. Pas en haut d'11. Peu importe. Ça pour dire que j'ai commencé avec MIT. Puis, je vais expliquer comment qu'on fait. Whatever. Là, les applications, comment faire un formulaire sur ton. Ben, peu importe. C'est une compagnie. Je vais trouver de quoi. Développer des cours en français. Puis là, je dis français, je parle québécois, puis je suis un buzzé. Fait que ça va être ce que ça va être. Puis aussi, mon dentier est là-bas sur le bureau. Quand je suis dans la maison, on m'en calisse pas mal de l'avoir dans la bouche ou quoi. Fait que. Sur ce, bonne soirée.